Hey, salut à tous! Nouveau tuto du lundi où on va voir aujourd'hui comment supprimer une tache sur un siège en tissu. Le cobaye du jour, c'est une Toyota Yaris avec du jus d'orange qui a été renversé sur le siège passager. Alors la première étape, tu vas passer l'aspirateur pour enlever toutes les poussières qui pourraient abîmer ton tissu lorsque tu vas venir le frotter pour supprimer la tache. Ensuite, pour travailler, il va te falloir des microfibres standards, des microfibres à haute densité, une paire de gants pour te protéger et bien sûr une brosse à poils souples de ton choix. Alors pour les produits, il en existe une multitude sur le marché du detailing. Perso, moi je suis un adepte du nettoyant tissu Polestar de la marque allemande Korkimi. En plus d'être économique, car diluable, tu peux l'utiliser pour nettoyer ton cuir de voiture et même ton intérieur en Alcantara. Alors tu pulvérises ton produit spécial tissu directement sur ta brosse et tu vas venir frotter ta tache en passe croisée pour bien faire agir le produit dans les fibres. Ensuite, avec la microfibre standard, tu vas venir supprimer l'excédent de produit et tu finalises ton séchage avec ta microfibre haute densité. Ton travail pourrait s'arrêter là car on vient de supprimer la tache en surface. Mais comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il s'agit ici de jus d'orange renversé. Donc tu t'en doutes, le jus d'orange ne s'est pas arrêté à la surface du tissu. Alors pour bien nettoyer ton siège en profondeur, tu prends un aspirateur, injecteur, extracteur, tu mets de l'eau chaude à laquelle tu peux rajouter un produit spécial tissu également, tu injectes ta solution dans la mousse du siège et tu aspires dans la foulée. Enfin, tu laisses sécher, puis tu peux reposer tes fesses sur ton siège. Alors après, quand tu regardes la cuve de l'injecteur extracteur, je peux te dire qu'il n'y avait pas que du jus d'orange. Allez, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tuto. Bonne semaine !